Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Paper Mario la porte millénaire sur Switch et nous sommes déjà au sous-sol 99. Et maintenant, regardons les badges que je me suis équipé et aussi les objets. Niveau objet, on a des drabous, on a du sirop de miel, des super champignons, des hot dogs, un ultra érable, un ultra miel, la pasta al forno, les champisteaks, un dîner de marité, des champis braisés et une bombe coco. Je sais pas ça fait quoi l'effet d'un bombe coco parce qu'en vérité j'ai jamais lancé de bombe coco de ma vie. Et bien sûr en badge, on s'équipait jour de chance, de l'adrénaline, des esquives dégâts, P plus D moins partenaire, tout ou rien. Alors je me suis fait fixe attaque B parce que le bruit de métal, est... enfin ça donne le drôle de bruit, c'est assez rigolo. Mais on va quand même l'enlever tout de même. Donc là, on pourra pas dire que je suis assez bien équipé. Après peut-être bouclier de pique, ça va pas être utile contre le boss en question, donc on va l'enlever. On va voir si on va pas lui mettre genre autre chose. Eh bien, alors je sais pas si ça peut se cumuler. Le badge il dit pas genre si on cumule d'autres trucs de Vénard pour que ça marche. Alors je sais pas si on met jour de chance plus Vénard, je sais pas si ça va être forcément utile. Alors ce que je vais faire chaud devant également. Au moins c'est sûr, on est sûr, on sait jamais. Après, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre davantage? Que du marteau. Le marteau, je crois pas qu'on va s'en servir face à ce boss en question. Est-ce que j'ai que de saut? Je crois que j'ai que de saut, si je dis pas de bêtises. Ah oui, que des sauts. La puissance de l'attaque saut augmente de 1, mais le marteau ne peut plus être utilisé. Donc, ouais, on va se servir de que des sauts. Comme ça, on augmente d'une puissance, d'un point de puissance pour Mario. Ce qui sera donc potentiellement un peu plus utile en soi. Et oui, alors changement rapide, ça aurait été top que si j'avais assez de points badge, mais j'ai tellement équipé de tellement de choses que j'ai plus de place pour changement rapide, un peu dommage. Mais là, notre Mario est un peu dans les vapes, il a 2 points de cœur. Ce que je vais faire, j'ai une technique, si ça marche pas, on va toujours tout tenter je vous dis, tout. Très angoissant. Wow. Elle fiche les chocottes. Je peux pas dire ce combat. Ah bah... Si jamais je meurs, c'est un peu pour ma gueule. Hein. Surtout, je viens de me rappeler, je crois... Ouais, électrochoc, le boss, il n'est pas sensible à ça. Donc là... Ce qu'on va faire... On va mettre drap debout. Peut-être que j'aurais pu enlever quelques badges, soi-disant pas utiles. Alors peut-être que j'aurais pu faire quelque chose pour avoir changement rapide, mais là... Vu les circonstances, j'aurais peut-être dû également enlever marteau séisme. Donc je suis un peu dans le caca. Légèrement dans le caca en fait. Peut-être plus. Et dis donc, Jamy, c'est quoi un oxycro? Eh bah Fred, un oxycro. C'est oxycro. Ils disent ici que c'est la sœur aînée de Carbocro. Elle est morte. En fait, elle est tellement vieille qu'il ne reste que les os. On peut dire qu'elle a la peau sur les os. PC Max 200, puissance 8, défense 2. Son souffle peut geler, endormir et faire plein d'autres choses pas sympas. Et quand ses PC sont bas, elle les régénérerait. En gros, c'est pas un boss qui rien du tout. Transforme-la en osselet. Bon, on va y jouer avec. Oulalalalala. Alors, on prépare ses stratégies, on se booste un peu. Si seulement Mario était en péril, ça m'aurait grave arrangé.
Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. On a mis un petit bisou. On va se booster. Oh là là là. Si seulement j'avais plus de draps debout, ou même un champivy. Mais là j'ai zéro champivy. Un petit bisou. Je vois pas pourquoi je m'enquiquine à bloquer, mais c'est par réflexe. Hein. Avec style. On va se booster encore. Encore un flex, vous le dites. Alors, un petit boost. J'espère que ma stratégie va être efficace. C'est le moment, les gars. On va le rétamer. Mais si j'y arrive pas, il y a un problème. Notre super rebond. Et notre meilleur ami pour la vie, je vous le dis, il n'y a pas intérêt qu'il y ait un troll. Pas de troll. Et si je rate mon coup, bon bah j'en recommencerai. Hein. Allez, pour la gloire, pour la fortune, tout ce que vous voulez. Ah non, zut! Ah non! Ah non! Ah là là! C'est soigné la garce. Oh non, mais en plus champi poison. Oh, mais c'est quoi cette malchance de fou? J'ai des jeux de champi poison. Oh, mais c'est quoi ce délire? Zut. Non 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 non. Je veux pas mourir bêtement. Certainement pas. C'est pas vrai. Putain, je gère mal mon coup. Vénard. Oh Vénard. Le Vénard. Comme le Pokémon. Comme le Pokémon. Mais qu'est-ce que... En général je gère très bien les super robots. Comment ça se fait que c'est bien chiant? Attends, je galère pas autant, mais là je vais y arriver. Mais pourquoi il... Ah zut, j'étais presque. Je dois pas manquer mon coup. Je dois pas manquer mon coup. Je manquerai pas mon coup. Je vais pas le manquer. Je ne vais pas manquer mon coup. Et heureusement que pour commencer, hein. J'ai failli battre. J'ai failli battre. Allez. Là, je suis bon. Faut pas que je rate mon coup. Celui qui se régène, ça pourrait m'aider. Arrêter. Vénard. Ah mais j'ai oublié un truc. Je suis con moi.
J'ai oublié vraiment de faire l'indique. Je suis vraiment débile. Il reste combien de PC du coup? Non, c'est la question qu'on se pose. 83? Ah ouais. Encore un vénard, et Goumilé est morte. Mais c'est pas possible, comment ça se fait? Encore de la chance. Oh! 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 J'ai dans ton cul! Je le savais que je pouvais y arriver! Oh l'argent! Oh l'argent! Oh l'argent! Oh l'argent! Un point d'expérience? Bon. Oh! Oh là là! Oh là là, la vache! Oh la vache! Choc retour! Retourne temporairement à l'ennemi la moitié des dégâts reçus par Mario au contact. Inefficace contre certains ennemis. Oh là 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 là! On l'a transformé en osselet! On l'a transformé en osselet! Il n'a que la peau sur les os! Merci d'avoir assisté à ce combat assez rapide. Bien qu'une première fois on ait perdu, on a quand même fait nos preuves. Au moins je suis content. Ah, je suis content. Hein. Je suis trop fier de l'avoir vaincu. Je suis très fier de l'avoir vaincu. C'est vraiment un exploit. Alors, j'aurais peut-être pu le garder en vidéo dans ma Switch, mais... C'est quand même bien de l'avoir fait en vidéo tout de même. Ah là là. La joie, la satisfaction. Ça mérite qu'on sauvegarde. Oh bah tiens. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, que ça pourrait être intéressant à savoir.